On va parler de King Kong. On connaît tous King Kong, ce singe géant sur l'Empire State Building qui surplombe New York. Mais d'où vient-il? Au tout début, il y a deux hommes, le réalisateur Cooper et le caméraman Shotzak. L'un se passionne pour l'exploration et l'aviation, l'autre est journaliste de guerre. Après avoir travaillé ensemble sur des documentaires, ils se passionnent pour un livre sur les dragons de Komodo. Cooper souhaite alors filmer un combat entre un gorille et un varan aux eaux de Central Park. Lui vient alors une idée plus folle, un combat entre un gorille colossal et des dinosaures. King Kong venait de naître. En 1933 arrive dans les cinémas King Kong, l'histoire d'une équipe de tournage partant au bout du monde pour un tournage. Une relecture de La Belle et la Bête, où une bête sauvage tombe amoureux d'une actrice hollywoodienne. Cette fascination pour King Kong, c'est cette fascination pour le monde sauvage, indomptable et hostile. King Kong porte en lui l'héritage de nombreuses œuvres qui, avant lui, évoquent cette bestialité, cette nature sauvage. Edgar Allan Poe imagine déjà un singe tueur dans sa nouvelle Double assassinat dans la rue Morgue. Et en 1925, Harry Hoyt adapte au cinéma Le Monde perdu et son île peuplée de dinosaures. King Kong est le tout premier mythe créé par le cinéma. C'est le cinéma encore à ses débuts qui le découvre. Alors que l'équipe de tournage vient filmer la nature sauvage, elle tombe nez à nez avec ce monstre gigantesque qu'elle s'empresse de filmer et de ramener à la ville. Mais King Kong s'enfuit et sème la panique dans la ville. Après s'être fait tirer dessus par des avions, il tombe du haut de l'Empire State Building, alors plus haut gratte-ciel du monde. D'ailleurs, à l'origine, le film devait s'appeler The Best, mais le nom a finalement été changé par peur qu'on le confonde avec un documentaire.